Blessé, 29 ans, sexe masculin, il a reçu 2 balles au thorax et à l'épaule. Le patient était inconscient quand on est arrivé. Difficulté respiratoire et PA très faible. Arythmie cardiaque, pupille dilatée. 2 entrées, 2 sorties. Une sortie. Au boulot, je veux une radio complète de la poitrine dans la seconde. Pour l'instant, donnez une vie 6 unités. Je veux l'équipe prête à intervenir, bougez-le doucement. À 3, ensemble, on soulève le blessé. On y va. 1, 2, 3. Parfait. Parfait. Merci les gars. Je place les électrodes. Branchez le moniteur 1. Et le moniteur 2. O2 en place, lecture moniteur. Je perçois des signaux. Le moniteur 1 montre des sinuosités. J'ai du mal à maintenir son pouls. Essayons de découvrir pourquoi. PA 80-40. Je n'ai pas de signe respiratoire venant du ventricule gauche. Il doit sûrement faire une hémorragie. Je vais devoir effectuer une thoraxotomie. Gants. Sa pression n'est que de 70, docteur. Tampon. Scalpel. J'ai dit scalpel. Docteur ? Docteur ? Ça va, docteur Cahill ? Docteur, pression artérielle 60 continue à chuter. Docteur ! Bill, remplacez-moi. Qu'est-ce qui lui prend ? On vous l'a dit ? J'ai bien peur que la nouvelle ait fait le tour de l'hôpital, Ben. Je regrette, je ne peux pas fermer les yeux. Ça fait des semaines que je n'ai rien bu, si c'est ce qui vous inquiète. Et je n'ai jamais rien bu avant une opération. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? C'est difficile à dire. J'ai du mal à me concentrer. Je me sens terriblement nerveux et j'ignore pourquoi. Écoutez, Ben, quoi que vous ressentiez, nous ne pouvons pas admettre ça. Non, 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 j'en conviens. Et ça va déjà Ben, beaucoup mieux, d'ailleurs. Il vous faut du repos pour l'instant. Préciser. Vous ne me laissez aucune alternative. Je me vois obligée de vous donner un congé prolongé. Une seconde. Je suis un bon chirurgien. Je regrette. Si vous... Il est inutile d'essayer de me faire changer d'avis. Je fais ce que je sais être le mieux pour les patients. Je ne dis en aucun cas que la décision de cette mise à pied est définitive. Non, ce sont des vacances forcées. Oh, voyons, Ben, ne le prenez pas comme ça. Vous avez eu une année difficile. Un peu de détente vous fera le plus grand bien. Et lorsque vous vous sentirez prêt, appelez-moi. Et nous en reparlerons, hein. C'est justement le but des quotas. Nous devons replanifier les stocks. Ouais, bah pendant que ce beau monde replanifie, mes gosses sont en train de crever de faim. J'arrive pas à payer le crédit. Ma petite affaire est en train de se casser la gueule. Oh, je t'avais dit de venir aux réunions, John. Au moins, tu comprendrais de quoi on parle. J'en ai ma claque des réunions. J'y suis allé pendant des années, tu peux me croire. Pourquoi vous avez fait un truc aussi stupide ? Solution à quoi que ce soit. Peut-être que d'où vous venez, les gens considèrent l'océan comme une poubelle, mais ici, nous le traitons avec respect. Désolé, je n'ai pas réfléchi. Non, ça fait rien. L'eau est polluée de toute façon. Venez, je vous offre une bière.
Non, non, merci, je ne bois pas. Qu'est-ce qui vous amène à l'île d'Ors? J'y ai une maison. Une maison? Ma femme et moi, on l'a achetée il y a près d'un an. Et votre femme? Vous l'avez cachée sur le bateau? En fait, nous avons divorcé depuis. Oh! Où est-ce qu'elle est, votre maison? Elle est située tout à l'est de l'île, à 12 km environ après la route. C'est l'ancienne maison de Wald? Oui, c'est ça. Vous la connaissez? Bah, je connais chaque maison située sur l'île. Non, vous rigolez, c'est vrai? Ouais, je suis électricien de métier. Et pour être franc, la compagnie électrique, c'est moi. Quand il y a une panne électrique, c'est moi le gars qu'on appelle de toute urgence. Génial. D'ailleurs, faut refaire toute l'électricité dans celle-là. Ah oui, cette maison est une masure. Je suis pratiquement obligé de réaménager l'intérieur du sol au plafond, faire une nouvelle toiture, refaire l'électricité, toute la plomberie. Incroyable, les gens qui devaient y habiter étaient complètement dingues. Clochard, cette maison est une porcherie, je suis sûr que vous n'avez rien vu de pareil. J'ai déjà vu. Puisqu'en réalité, cette maison aurait dû me revenir. Ouais, à moi et à mon petit frère, Imon, cette maison devait nous revenir. Excusez-moi. Mon nom est Jack Wald. Ouais, c'est mes parents qui habitaient. Et j'ai grandi dans cette porcherie. Porcherie! Bon, on se retrouvera demain en ville, hein. Ouais, c'est ça, tu me feras le compte rendu de la réunion. Ah bah oui, tout ce qu'on aura écouté, hein. Ouais, allez, ça, à demain, hein. Salut. C'est moi, mon frère. T'es un crétin, Jack. T'es encore plus nerveux qu'une vierge la nuit de noces. Il m'a pris mes outils fumiers. Mais tu devais pas revenir si tôt. Tu devais être absent 2 semaines, t'avais dit. Ah, ça a pas marché. Je t'assure, tu devrais pas laisser tomber. Eh, tu veux une bière? Ouais, si tu veux. Eh, devine qui j'ai rencontré sur le ferryboat. Abraham Lincoln. Mieux que ça. Allez, fais marcher un peu tes méninges. J'en sais rien, Jack, vas-y, dis-le-moi. Le docteur Benjamin Cale. Qui c'est? C'est le petit merdeux qui a acheté la maison derrière notre dos. Ah ouais, je me disais bien que je connaissais le nom. De quoi il a l'air? Il a l'air assez bizarre. Un gars de la ville. Ça, je m'en doutais. Il dit qu'il a acheté une masure. Et que c'est une porcherie. Ben, on peut pas dire le contraire. On va l'emmerder un petit peu. Lui montrer qu'il est pas chez lui sur l'île. C'était la banque qui l'a vendu, Jack. Il y est pour rien, ce mec. C'est pas sûr qu'il y soit pour rien. Cale a probablement magouillé avec eux. C'est des escrocs. On aurait pu avoir le pognon si seulement il nous avait donné du temps. Papa avait pas payé les intérêts pendant 5 ans. Et d'ailleurs, j'avais pas un rond et toi non plus. L'argent des intérêts, on l'aurait dépensé. Arrête, laisse tomber, d'accord? J'ai aucune envie de parler de cette maison. Ben, savoir. On va sûrement retrouver la maison sur le marché très bientôt. Oh, toi.
Zut! C'est nul! Laisse-toi faire, petit poisson. Ah. Là. Ah, tiens, tiens, toi aussi t'as envie de compagnie, t'as pas l'air sauvage, toi. Si seulement les poissons étaient aussi faciles à attraper. C'est pas vrai. Vous êtes à la compagnie électrique d'Ors. Si vous avez un problème avec l'électricité, je suis là pour le résoudre. Laissez-moi un message et je vous rappellerai quand j'en aurai envie. Néanmoins, s'il s'agit d'une urgence, vous savez où me trouver. Allô, ici Ben Cale. Je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais... ça fait la troisième fois cette semaine que je tombe en panne d'électricité. Alors, je vous serai vraiment reconnaissant si... Ah, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à ce que tu me règles ton comme d'habitude, voici ta nouvelle habitude. Johnny... ton père a servi mon père dans ce même bar. Ton père payait mon père, Jack. T'as qu'à mettre le verre de mon frère sur ma note. Si t'étais pas le seul bar de cette île, je t'assure que je me casserais. Tout le monde doit gagner sa vie, Eamon. D'accord, c'est la dernière fois que je vous fais crédit à tous les deux. C'est d'accord. D'abord, le gouvernement refuse de protéger le port des étrangers. Et maintenant, ils nous disent carrément combien et comment pêcher. Comment on va faire pour faire manger nos enfants à ce train-là? Rien que ce matin, j'ai dit à Carole, t'as intérêt à remettre en état tes robes du dimanche. Tu vas peut-être devoir faire le trottoir. Comment elle l'a pris? Elle m'a dit qu'elle connaissait le métier. On n'a pas eu une belle prise depuis plus de 15 ans. Vous savez pourquoi? Non, mais tu vas sûrement nous le dire. C'est la faute de la météo. Les saisons sont chamboulées à cause du réchauffement, des pluies acides. Voilà pourquoi la pêche est mauvaise. Guy, c'est pas vrai? Qu'est-ce t'en dis? J'en sais rien. Eh bien, on peut rien faire contre le temps. Mais on peut combattre cette saloperie de régulation. Ouais. C'est un rapport très alarmiste qui a été rendu public aujourd'hui. En effet, le cours du poisson ne fait que chuter depuis le début du trimestre. La Fédération des pêcheurs de Haddock s'est mobilisée pour dénoncer cette crise sans précédent. Une réunion extraordinaire est prévue demain soir. Docteur Cale, qu'est-ce qui vous amène? Il faut que je vous voie. Et pourquoi? Pour la même raison qu'hier et qu'avant-hier, voilà pourquoi. Panne d'électricité, je suppose. C'est bien ça. Eh bien, venez donc vous asseoir. On en parlera devant un verre. Je ne bois pas, je vous l'ai déjà dit. Ah ouais? Eh bien, sachez que vous vous êtes trompé d'endroit pour vous sevrer, mon vieux. Vous savez, j'ai aussi mon petit truc pour arrêter de boire. Étape 1. Écoutez, vous voulez bien faire un petit break pour réparer ma panne? J'aimerais bien vous rendre service, Doc. Mais le système électrique sur cette île est un peu irrégulier. On est loin de Boston.
Et ça marche uniquement quand vous êtes sobre, je suppose, hein? J'ai mal entendu. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Notre relation a très mal démarré. Et c'est ma faute, je le sais. Venez chez moi réparer mon électricité. La paix? D'accord. Vous n'avez qu'à revenir en juin, avec tous les autres touristes, Doc. C'est promis. J'irai voir ce qui cloche dans tous les fils pour juin. $50 qui s'en va la semaine prochaine. Qui veut parier? Arrête, ça suffit, Jack. On fait aucun mal, shérif. On peut bien rigoler. Toi, ferme Lyman. Jack, je sais que t'es fou de rage pour cette maison, mais aujourd'hui, tu peux rien faire pour changer les choses. Qui dit ça? C'est moi. Je veux pas d'histoire, c'est compris? Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Allô? Je vous ai entendu, je suis pas sourd. J'ai commandé des planches il y a quelques jours. J'aimerais savoir si elles sont arrivées. Au nom de Cahill. Quel nom? Cahill. Cahill? J'ai jamais entendu ce nom. C'est que... ça fait déjà une bonne semaine que je suis venu pour des lambris. Lambris, mais avec quel lambris? Je vois. C'est une femme qui a noté ma commande. Vous devez parler de Nell. Nell, oui. Ah, elle est là? Non. Vous savez où elle est? Ouais. Ouais. Vous voulez me le dire? On est mardi. Ah oui, monsieur, hier c'était lundi, mais ça ne me dit pas où la trouver. Mardi, elle travaille toujours sur le chantier tout près du quai du ferry. Eh ben voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour, messieurs. Savez-vous où est Nell? Merci. Hey, oh, ça va pas, non? Vous avez failli m'écraser. Désolé, je ne savais pas que vous étiez là. Ça ne fait rien. Vous vous rappelez, Dr. Cahill? J'ai commandé du bois. Oh oui, l'homme qui a acheté la vieille maison de Wald. C'est ça. Mais à voir comment les gens me traitent ici, on croirait que je l'ai volé. Ah. Ne vous formalisez pas, les habitants vont finir par se calmer. Disons qu'ils se méfient des gens du Maine. C'est ce que j'ai cru comprendre. Dites, je me suis permis de vous commander aussi du goudron. Il va vous en falloir pour votre toiture. C'est gentil, j'allais justement en commander ce week-end. Sachez que quand il pleut ou quand il neige, c'est quelque chose de très impressionnant. Montez, je vous conduis à votre voiture. Vous êtes sûr de savoir conduire cet engin? Ne craignez rien, je faisais du stock-car avec le commandant du port. Rien de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné! Va-t'en.
Vous avez un problème de bestiole ? Oui. Vous ne voulez pas du papier, du mouche ? Non, non, merci. Vous êtes sûr ? Pour 6, vous en avez un gratuit. Non, j'ai ce qu'il faut. Ah, d'accord. Vous n'encaissez pas ? Eh bien, j'aimerais bien encaisser, bien sûr, mais je ne sais pas comment faire marcher la machine. C'est évident. Bon, où est Nell ? On est mercredi. Oui, mercredi. Et le mercredi, Nell est ? Avec sa maman. Avec sa maman. Où ça ? À l'école, bien sûr. À l'école ? Je me dépêche. Un exposé sur les poules et les poulets des Grandes Prairies de Henry Crump. Je vais vous parler des poules des Grandes Prairies américaines. Dans les Grandes Prairies, on trouve les seules poules sauvages des États-Unis, mais... Je peux vous aider ? Oui, je suis navré d'interrompre la classe, mais je voudrais voir votre fille une seconde, Madame Bartle. Mais ça pouvait attendre, docteur. Nous avons commencé notre lecture sur les espèces en voie de disparition. Ah. Venez donc vous asseoir avec nous un moment, docteur, et je serai à vous quand Henry aura fini. Oui. Eh, excellente idée, merci. Bon, tu peux continuer, Henry. Mais elles sont en voie d'extinction. Les poules des Grandes Prairies sont marron avec des paupières oranges. Elles volent comme les canards. Les poules des Grandes Prairies vivent en Illinois, pas dans le Maine, c'est pour ça que j'en ai pas apporté. Mais j'ai fait un beau dessin et mon papa m'a laissé venir avec Carly, qui n'est pas une poule des prairies sauvages. Les poules des Grandes Prairies se nourrissent d'herbes, comme les vaches, et de petits vers qu'elles trouvent dans la terre. Leur durée de vie n'est que de 3 ans maximum. Lors de l'accouplement, la poule des Grandes Prairies danse. Elle gratte la terre en faisant 2 pas en avant, puis saute en déployant ses ailes et en ouvrant sa queue comme un éventail. Puis recule de 2 pas et recommence inlassablement pendant plusieurs heures. Parfois, les combats entre mâles sont mortels. Il s'agit de délimiter un cheptel de plusieurs centaines de poules. Oh, c'est charmant. L'incubation des œufs dure 21 jours. Durant lesquelles les poules ne quittent que très rarement leurs œufs. Oh ! J'ai jamais vu un monstre pareil. Oh ! C'était Clémentine ! L'araignée de la classe. Je me sens affreusement mal. Vous les avez traumatisés jusqu'à la fin de leur vie. Ah non, je crois que c'est moi le traumatisé dans l'histoire. Je ne ressens pas une grande affection pour les bestioles ces jours-ci. Pourquoi ? Hier soir, j'ai trouvé toute une armée de cafards dans mon réfrigérateur. Je parle de monstres géants. Oh, quelle horreur ! Je crois que Jack Wald les a mis là. Quoi ? Vous pensez que Jack a mis des bestioles dans votre réfrigérateur ? Ah, oui, sinon comment sont-elles arrivées là ? Je suppose que les insectes s'introduisent n'importe où. Je doute que ce soit Jack Wald. Ah oui ? Et pourquoi ? Ça ne ressemble pas à une plaisanterie du goût de Jack. Moi, je vous dis qu'il fait tout ce qu'il peut pour me faire partir. Je ne crois pas que Jack soit du genre torturé psychologique. Il me paraît davantage du style à vous souffler son haleine fétide dans la figure. Ah, et ça aussi, c'est le faire. Ok. Pour être clair, dites-moi la gravité de votre problème. Eh bien, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je n'ai plus l'intention d'avaler un poulet sur l'île. Dans ce cas, vous avez le choix entre la vieille méthode ou... Si vous promettez d'être prudent en vous en servant, je vais vous préparer un produit détonnant. Sortons la grosse artillerie. Suivez-moi. Je vous suis, chef. Bon, voyons ce que j'ai. Il fait froid ici. Mais... Qui a peint ça ? Ça ? C'est moi. Ah, vraiment ? Oui, pourquoi ? C'est excellent. Merci. Non, je suis sincère, vous pourriez les vendre. Non. Non, et pourquoi ça ? Je n'y ai jamais vraiment songé. C'est vrai ? Et combien vous vendez celui-ci ? Il vous intéresse ? Je suis très sérieux. Et je sais déjà où l'accrocher à la maison. Dans ce cas, je vous le donne. Ah, non, ça s'appelle donner. Ça ne s'appelle pas vendre. Vous devez lui donner une valeur, Nell. Dites un prix.
D'accord, alors, on va faire un marché. Si jamais je me fais mal à la cheville, vous pourrez gratuitement me soigner. D'accord? Marché conclu. Là, voilà la solution à votre invasion de petites bestioles. Je sens une légère moquerie. Nous avons eu un problème important de mythe il y a plusieurs années, c'est plus qu'efficace. Phéno... Non, attendez. Phénooxyphényl, méthyldichloréthényl. Et en français? Produit mortel, si inhalé. Danger. C'est rien de le dire. Hé hey. Vinyl raconte que vous avez une invasion de cafards. Peut-être qu'on peut venir avec vous jeter un œil. Je peux vous en débarrasser. Pas la peine, restez éloigné de ma maison, sauf pour me réparer mon électricité. Votre maison. C'est vrai, Imon, c'est sa maison maintenant, hein. Faut me pardonner, docteur, j'oublie parfois ce détail. Vous pouvez me harceler si ça vous chante, mais je ne m'en irai pas, que ce soit clair. Harceler? Ouais. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et vous le savez très bien. Justement, non. Je parle des petites bêtes, Wald. Je parle de mon réfrigérateur envahi de cafards. Vous croyez que j'ai mis des bêtes dans votre réfrigérateur? Et en effet, je le crois. Oh, vous êtes cinglé. Je crois que vous passez un peu trop de temps tout seul dans les bois. Ah bon? Quelle heure était-il? D'accord, d'accord, oui. Oui, je sais, oui, je comprends bien. Ah. D'accord, écoute, Guy, surtout ne touche à rien. D'accord, je me dépêche d'arriver. Allez, pourquoi vous venez pas avec nous? Je paie la tournée. N'approchez pas de la maison. Sinon quoi? Vous allez me frapper avec votre stéthoscope? Ou les triper avec votre thermomètre? Ou lui retirer ses amygdales? Écoutez, Wald, n'allez pas imaginer une minute que je vais me laisser faire sans me battre. C'est une menace? Croyez ce que vous voulez. Oh, vous êtes témoin! Vous avez entendu ce qu'il m'a dit? Ça suffit, les gars! Rentrez chez vous. Est-ce que t'as réparé sa panne d'électricité? Voyons, shérif, si on peut plus s'amuser un peu. Le jeu s'arrête là. Dégagez, rentrez chez vous ou allez-vous saouler la gueule au bar, mais je ne veux plus vous voir. Jack, je veux que tu règles son problème aujourd'hui. Faut pas se fâcher. Allez. J'ai même proposé de lui offrir un verre. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Merci, shérif, c'est gentil. Bon, si vous avez une minute, j'aimerais que vous me donniez un avis médical. Il y a un malade? Un mort, pour être exact. Chandler Moffat, un solitaire, il garde le phare. Guy l'a découvert quand il est venu relever ses pièges. Qu'en pensez-vous, docteur? C'est difficile à dire. Quand a-t-il été vu pour la dernière fois? C'était hier, il a déjeuné au Red Claw. Était-il sujet à des crises du style épileptique ou ce genre de choses? Je l'ignore. Ça se pourrait. J'en sais rien. Tiens, tiens. Quel vieil ivrogne. Je crois que j'ai la réponse à mes questions, docteur. Regardez ses blessures. Ces marques peuvent-elles avoir été causées par des crabes? Par des tas de trucs. Ça peut être les crabes ou un objet dans l'eau, enfin n'importe quoi. Vous prévoyez de faire une autopsie? Vous rigolez? Ça va prendre au moins une semaine pour faire venir un légiste ici. Il est arrivé la même chose à Tom Hale en 88. Il s'est saoulé, a perdu connaissance et s'est noyé dans 20 cm. Et les crabes l'ont bouffé. Et moi, je vous conseillerais de le faire autopsier, par précaution. Si vous ne voulez pas attendre le médecin légiste, je peux faire un examen préliminaire. J'apprécie votre proposition, docteur. Mais ce vieux soulard n'avait ni femme, ni enfant, ni personne autour de lui. Et depuis qu'ils ont automatisé le phare, Chandler n'avait aucune activité. Non, en ce qui me concerne, cet incident n'est que le triste sort des insulaires. Ils se saoulent et finissent noyés. C'est ce que mon rapport stipulera. Dossier classé. Combien? Que veux-tu en faire? Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas allé pêcher une seule fois en 17 ans. Alors tu vas me les vendre ou pas? Pas si c'est pour faire une de tes plaisanteries à Kyle. Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette revanche que t'as contre lui, c'est dans ta tête. Dans ma tête? Elle est bonne, celle-là. Non, mais dis-moi, ce qui se passe entre toi et le docteur Kyle, c'est dans ma tête aussi? Je crois que tu dois te calmer un peu, Jack. Alors, donne-moi 6 packs de bière, tu veux?
Ah bah c'est pas trop tôt. Et je vous contacterai quand j'en aurai envie. Mais si c'est très urgent, vous savez où me trouver. Pas la peine de s'énerver. À
Apparemment, c'était un accident. C'était pas un accident, shérif. Ouais, et il l'a menacé tout à l'heure. Il a accusé Jack. Oui, mais ça ne prouve rien du tout, Enoch. Et le pack de bière sur son siège? Ouais, on sait tous qu'il boit. Vérifiez son haleine pour voir. Ça suffit, et fermez-la pour une fois. Docteur, allez m'attendre dans la voiture. Reste où tu es, Imone. Calme-toi. Écoute, Imone, je suis désolé. Mais je veux que tu restes tranquille. Il y a eu suffisamment d'histoires pour aujourd'hui. Il n'y a rien à faire avant qu'on ait les résultats de l'autopsie. Et ça va être quand? Je vais demander au légiste de prendre le prochain ferry. Le ferry est dans une semaine. Je sais. Et jusque-là, personne ne tirera de conclusion. Maintenant, les gars, portez-moi le corps de Jack dans le coffre et amenez-le où Black est à Col. Et demandez à Nell si on peut se servir de sa chambre froide. Besoin de ta chambre froide. Il y a eu un accident. J'arrive. Une petite minute. Oh mon Dieu. Il te reste de la place dans ta chambre froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce? Jack Wald. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien bu. La mauvaise, c'est que la ville tout entière pense que vous avez tué Jack avec préméditation. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans la panade la plus totale. Merci, Madame Hobbs. Je vous en prie, Docteur Cahill. Merci, Marie. Je serais enclin à croire votre histoire, Docteur. Mais très franchement, elle ne vous disculpe pas. Comme je vous l'ai dit, il s'est sûrement passé quelque chose bien avant que je le renverse. Vous avez vu ses mains? Elles étaient toutes raides. Réfléchissez. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Coïncidence? Non. Comprenez, quand une personne meurt, son corps s'assouplit. La raideur mortelle n'intervient qu'après 4 heures. Et alors? Et alors, ça veut dire que quand je l'ai renversé, ses mains n'auraient pas dû être rigides. À moins qu'il souffrait déjà de quelque chose. Eh bien, si vous avez raison, aucune charge ne sera retenue. Il ne reste qu'à attendre les résultats de l'autopsie. En attendant, vous allez me boucler? Non, je vais vous accorder le bénéfice du doute. Merci, shérif. Mais soyons clairs. Je vous interdis de mettre les pieds en ville pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'autopsie soit faite. Ça risque de durer longtemps. Alors, laissez-moi faire l'autopsie. Vous rigolez, Cahill. Vous savez ce que la population de cette ville nous fera à tous les deux. D'accord. Il se passe un phénomène étrange.
Bougez pas! Oh. Si je ne bouge pas, je vais me brûler les doigts, docteur. Nell, vous m'avez fait une de ces peurs. Moi, je vous ai fait peur? Oh, pardon. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nerveux. Qu'est-ce que vous faites ici? Le shérif vous a confiné chez vous, alors j'ai apporté à dîner. Ah! Et vous... vous n'avez pas peur d'être avec moi? C'était un accident. Si c'était un accident, bah oui, évidemment. Je n'ai donc pas de raison d'avoir peur d'être avec vous. Le shérif pense qu'il vaut mieux que vous n'alliez pas en ville 2 ou 3 jours. Je crois qu'il a raison. Mon tableau est pas trop mal ici, en effet. C'est un début, mais il y a tout à refaire. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire ici sur l'île d'Ors. Oui, dommage que j'ai cessé de boire. Il semble que ce soit le passe-temps préféré des gens. Oh non, j'en manque pas une. Je n'avais pas réfléchi, désolée. Ça ne fait rien. C'est agréable, quelqu'un qui aime le vin. Je crois que je me rappelle quand vous avez acheté la maison. Vous étiez avec votre femme, c'est ça? Je pense, en fait, que par ce geste, nous tentions désespérément de sauver notre mariage. Mais ça n'a pas marché. C'est bien triste. C'est la vie. Parlez-moi de vous. Avez-vous été marié? Non! Ça va? Je ne voulais pas vous fâcher. Je vous jure, c'était un gros cafard. Curieux, j'ai passé l'insecticide. C'était bien un cafard. On dirait qu'il y en a dans toute l'île. Hey, vous savez le transformateur qui est dans les bois? Wald y est allé pour réparer mon électricité et je crois qu'il est possible qu'il ait fait une réaction allergique. Une réaction allergique à quoi? À ces bestioles. Vous voyez, sa mort est très étrange. Quand j'ai vu son corps, j'ai observé que sa main droite était crispée et qu'elle avait des tas de marques rouges à plusieurs endroits. Et je pense que toutes ces marques sont de toutes petites morsures d'insectes et certains d'entre eux peuvent causer des paralysies. Mais les cafards ne mordent pas. Je sais, c'est curieux, mais je dirais que ce ne sont pas des cafards ordinaires. Ils ont des petites tenailles et ça, je peux le prouver. Regardez. Ça m'a interpellé. Fréquemment confondu avec le cafard de Madagascar, le Philomeniscus cerebus, ou cafard armadillo d'Afrique, est un insecte très organisé comme la fourmi et l'abeille. Il mord sa proie et la paralyse pour lui permettre ensuite de pondre ses œufs à l'intérieur. Oui, je sais, c'est dégoûtant. Bien que nous en sachions assez peu sur ces insectes, il est probable qu'ils ne soient pas une menace pour l'homme, préférant à celui-ci des proies plus petites, des animaux à sang froid, tels que les rongeurs, blaireaux, blablabla. Mais pourquoi pensez-vous que le cafard qu'on a vu est celui que vous décrivez? Ça, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on doit découvrir. Vous croyez qu'il est encore là? Je préférerais faire couler l'eau, on ne sait jamais. Oui, j'aimerais aussi, mais la pompe est électrique et qui sait quand elle remarchera. Vous êtes sûr que ce n'est pas le fusible? Ah oui, bien sûr, j'ai vérifié les fusibles avant de partir. Tous vérifiés? Pas tous vérifiés. Parfois, quand les plombs sautent, les boutons se coincent. Très drôle. Alors, voyons ça. Oh. Voilà, ça marche, allons-y. J'ai dit allons-y. Oh, ça y est, ça marche. Merci. Hey. Mais comment c'est possible, tarte aux myrtilles, c'est ce que je préfère. Ah oui, j'ai disons perdu l'appétit depuis. Hey, je comprends, moi aussi. Ça ne fait rien, vous la mangerez plus tard. La journée a été longue, je dois m'en aller maintenant. Ah oui, oui, bon, je comprends. Je suis un peu triste, vous savez. Jack n'était pas un si mauvais garçon que ça quand on le connaissait. Oui, j'en suis persuadé. Et je veux découvrir ce qui s'est passé ici. Bon. Essayez de ne pas trop y penser. Ouais. Écoutez, merci. Merci pour ce merveilleux dîner. C'était pas grand-chose. Vous savez, vous pouvez rester.
C'est un minuscule îlot, docteur. Et alors? Tâchez de dormir un peu. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Entomologie, docteur Drayton à l'appareil. Oui, ici le docteur Ben Cahill. Pourrais-je parler au docteur Templeton, s'il vous plaît? Le docteur Templeton est en vacances, je regrette, docteur Cahill. Est-ce que je peux le remplacer? Oui, peut-être bien. Êtes-vous spécialisé dans l'armadillo d'Afrique? Ah oui. Le Philomeniscus cerebus, étonnant animal. Que voulez-vous savoir? Est-il une menace pour l'homme? Non, enfin, pas que je sache, pourquoi? Eh bien, nous avons trouvé des insectes près du Maine. Il ressemble à des cafards, mais il possède des tenailles. Et d'après ce que j'ai découvert, il mord en... entraînant une sorte de paralysie. Vous croyez qu'il s'agit d'armadillos d'Afrique? C'est impossible. Eh bien, docteur, je sais que ça peut paraître improbable, mais si vous étiez ici, vous penseriez différemment. Où vous trouvez-vous exactement? Sur l'île d'Ors, à Casco Bay. Il y a de nombreux insectes qui peuvent causer des paralysies, docteur Cahill. Ils ont des tenailles, vous dites? Mm-hmm. Vous savez, dans l'univers des insectes, si ça ressemble à un canard et couaque comme un canard... Ça n'est pas forcément un canard. Ouais, autrement dit, docteur, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Écoutez, il y a plus d'un million d'espèces d'insectes, docteur. Il se pourrait bien qu'il y ait même plus de 9 à 30 millions d'espèces à découvrir. Vous parlez peut-être de l'un d'entre eux. Envoyez-moi un spécimen, docteur Cahill. Et je pourrais peut-être vous aider. Je vais essayer. Merci, docteur. Vous êtes complètement fou. Vous voulez la bagarre, vous l'avez. Réglons ça une bonne fois pour toutes. J'ai trouvé ce message sur le répondeur de Jack. Il a été fait hier soir. Écoute, Imon, je comprends ta douleur pour ton frère, mais pas ta démarche. Pas ma démarche. C'était pas un accident hier soir, c'était un meurtre. C'est ridicule. Tout ce que j'entends, moi, sur cette bande, c'est que Jack avait poussé le bouchon trop loin avec Cahill. La vérité, chérie, c'est que mon frère est mort et que ce Cahill est tranquillement chez lui. Voilà ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je l'enferme en prison? On est sur une île, alors où veux-tu qu'il aille? Nell t'a donné ta journée, Vinyl? Ouais. Elle est ce Cahill, je te jure. Ah,
Vous êtes vraiment obligé de faire ça? Je ne vois pas d'autre moyen de découvrir ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est ma faute, shérif. J'ai demandé à Kayle de venir ici. Je vous avais demandé de ne pas toucher Ascor. Tu comprends pas ce qu'on te dit, docteur? Ça t'a pas suffi de commettre un meurtre? Il faut que tu viennes trifouiller son corps. Enferme le shérif, sinon je vais lui régler son compte. Laisse-moi expliquer pourquoi. Ferme-la. Je veux vérifier ce qui se passe. Yvonne, arrête, ça suffit. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Sortez tous d'ici et allez boire au bar. Je vais régler ça. T'as intérêt, shérif, sinon c'est moi. J'ai dit je vais régler ça. Allez, fichez le camp. Je vous veux tous dehors. Vous êtes malade? J'ai suffisamment de problèmes sans que vous veniez en rajouter. Shérif, je vais seulement jeter un œil sur le corps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire du tout. Shérif, venez voir ça. Je ne veux rien voir, Nell. C'est très intéressant. Même si ce sont des morsures d'animaux, rien n'indique que c'est la cause de la mort. Évidemment, il faut attendre l'autopsie. C'est vrai, c'est comme pour les abeilles. Une piqûre, c'est sans gravité, mais des centaines. Le problème, c'est de prendre un spécimen sans se faire mordre. Bon, allez, après vous. Alors, où sont ces bestioles? J'en sais rien. Hier soir, il y en avait des centaines. Vous pensez qu'elles ont pu faire une chose pareille? Si c'est le cas, nous ne mesurons pas l'ampleur du danger. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que ces animaux ont été dévorés de l'intérieur. Oh, décidément, c'est de mieux en mieux. Shérif, regardez ça. D'accord, docteur, effectuez l'autopsie. Ouais. Il se contraint que c'est Imon et ses copains qui viennent me rendre visite. Bon, écoutez, la camionnette de Jack est dehors, les clés sont à l'intérieur. Allez chez Nell, je me charge d'Imon, d'accord, d'accord. Trouvez vite ce qui a tué Jack. Ouais. Kyle ? Kyle ? Il est pas chez lui, Imon. Ça va pas te faire ça? On arrête là! Guy, qu'est-ce que tu fais chez Cahill? T'es devenu dingue! Il est mort? Bien sûr qu'il est pas mort! Mais enfin, pourquoi tu l'as frappé? Ben, il aurait dû nous écouter ce matin. Il aurait dû enfermer Kyle au lieu de le laisser en liberté. D'accord, mais c'était pas une raison pour agresser le shérif. Pas la peine de t'énerver. Aide-moi à l'emmener à la cave. Il va reprendre connaissance dans un moment. Laissons-le, on reviendra plus tard pour le libérer. Et pendant ce temps-là, je vais retrouver Kyle. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux de la lumière, une table et une lame coupante. Rien que ça. Hobbs m'a autorisé à faire l'autopsie de Jack. Thank you.
Hé hey. Y'a personne là-dedans, hé hey. Je m'attendais à trouver des organes internes. Oh non. Voilà qui répond à toutes nos questions sur les marques, la paralysie et cette horreur. Qu'est-ce qu'on fait? On doit absolument faire évacuer les gens d'ici. Guy, que faites-vous ici? Où est le shérif? C'est justement pour ça que je suis venu. Il y a eu un accident chez vous, Doc. Il est dans la cave inconscient, mais... Oh, c'est dans ma cave? C'était Iman, j'y suis pour rien. Il est devenu dingue et il vous cherche. Il va sûrement arriver. Calme-toi, Guy, on va s'occuper de lui. D'accord. Oui, je vais chercher Hobbs. Nel! Est-ce que t'es là? Oh, non, tu te prenez ma camionnette garée derrière la boutique. Les clés sont sur le contact. Merci. Soyez prudents. Tu as vu l'heure qu'il est, on est fermé. Tu caches Kyle. Il faut d'abord que tu saches quelque chose. Iman! Où est-ce qu'elle se cache? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Non, écoute-moi. C'est Kyle qui a fait ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas répondre à ma question, Nel. C'est Kyle qui a fait ça. Oui, mais... Oh, tu vas me dire où il est, Nel. Arrête, Iman, t'es complètement malade. Tu vas venir avec moi. Non. Si. Shérif?
shérif. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Racontez-moi. Imone vous a agressé. Je me rappelle pas. Si le shérif Hobbs veut pas faire son boulot, moi je le ferai. Je vous demande de venir avec moi, mais s'il le faut, je le ferai tout seul. Non, moi je te suis, Imone. Imone, réponds au téléphone. Ouais. C'est Imone, madame Hobbs. Non, je l'ai pas vu, non. Oui, d'accord. Je lui dirai. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que vous avez fait de Nell? T'as un sacré culot de demander quoi que ce soit. Lâche-le! Hé! Écoutez, je vais être clair. J'ai trouvé Hobbs où il l'a assommé. Il est mort. T'es un sale menteur! C'est vrai! Tu vas me laisser sortir. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? C'est toi qui l'as mis dans cet état, Imone? Non. Non, mais vous l'avez carrément massacré! Imone, tu ne peux pas me garder enfermé ici, c'est illégal, t'entends? Ne fatigue pas, vous allez très vite découvrir tous les deux ce qui est illégal. Mais ouvre les yeux, Imone! Ton frère a des œufs dans le ventre, t'as qu'à les voir toi-même! Peut-être bien que j'aurais pas dû te mettre là, j'aurais dû t'enfermer dans un chenil. Allô? En prison? Qu'est-ce qu'elle fait en prison? D'accord, Marie, merci. Je me dépêche d'arriver. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites dans cette cellule, chérie? Qui vous a enfermé? Pourquoi êtes-vous en prison? Vous êtes blessée dehors, Marie. Mais où est le shérif? Il sait que vous êtes ici. Non. Oh mon Dieu! Vous savez tout. Rien ne peut arrêter leur cycle naturel. Et s'ils avaient un prédateur, je pense qu'ils l'ont probablement tué. Ils n'ont nulle part où déposer leurs œufs, excepté dans notre ventre. Je suis navré, madame Hobbs. Nous devons faire évacuer les habitants de cette ville le plus vite possible. Pourquoi ne pas évacuer les enfants pour commencer? Ils seront bientôt là. Parfait. Oui, il faut qu'on fasse très vite. Nous avons besoin d'un bateau. Le nôtre n'est pas assez grand pour contenir les enfants. Le shérif a aussi un bateau. Vous avez les clés, madame Hobbs? Oui. Allons-y. Mettons-nous au travail. Ça sent très bon, Peggy. Henry fait toujours ses devoirs. Peggy? Tu te sens bien, Peggy? Tu ne m'as pas dit un mot de la matinée. Je me sens toute chose. Peggy, où est-ce que ta main? Qu'est-ce que tu as, chérie? J'ai mal à l'estomac. Dépêche. Prenez vos manteaux en sortant, les enfants, et attendez-moi à côté du drapeau. Je vous rejoins. Soyez gentils, restez bien en rang, s'il vous plaît. Sarah, ma chérie, assure-toi que personne ne s'éloigne, d'accord? Mais on n'a pas la permission des parents, madame Barton. On n'en a pas besoin, Sarah. C'est une mesure exceptionnelle. Allez, vas-y. On doit se dépêcher. Vous avez les oui, enfants? Oui, tout sauf Henry Crump. Il n'est pas venu à l'école ce matin. Vous l'avez appelé? Oui, sans succès. Allons chercher Crump. D'accord.
Écoutez, allez en avant au bateau avec les enfants. Si on n'est pas là dans 15 minutes, partez sans nous. Emportez ceci, c'est adressé à l'université de Southern Maine, à Portland. Il faut donner ce spécimen au docteur Mark Drayton, au département d'entomologie, dès que possible. Entendu, docteur Cale. Surtout, faites bien attention. Oh oui, promis, maman. J'amène Sammy, d'accord, madame Barton? Non, Thomas. Sammy doit rester ici. Ah! Vous êtes malade, Al? Où est le reste de la famille? Eh oh! Y a quelqu'un? Ben! Où est Henry? Vite ici, j'ai besoin d'aide! Il faut partir. Venez. Attendez, nous n'allons pas l'abandonner! Vous savez où est le petit Henry? La grande! Bon, allons-y! Vous mettez les pieds, les planches sont pourries. Oui, merci. Nel, aidez-moi. Tenez bon, j'ai une corde dans mon camion. Oui, faites vite. Je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps. Nel! Je vais aller le chercher. D'accord. Mais faites vite. Tirez sur la corde, donc vous serez prêts. Tu n'as rien, ça va? Ouais. Je suis là, tu ne dois plus avoir peur, d'accord? Je vais nous sortir de là. Tu vas écouter attentivement ce que je vais te dire. Accroche-toi à moi, mets tes bras sur mes épaules. Accroche-toi à moi très fort. Essaie de ne pas m'étrangler. Tu ne vas pas me lâcher. On va sortir en courant. Et les cafards? Ouais. Surtout, ne t'occupe pas des cafards. On y va? D'accord. Un, deux... Formidable, petit. Maintenant, on va monter. Accroche-toi. On y va. Allez, tiens bon. Tu es prêt? Merde! Tirez! Vous le tenez? Oui, pas de soucis. Les cafards volent. Quoi? Ils volent. Tu as mal, Trésor? Mon cou fait mal. Fais-moi voir. On dirait qu'il a été mort. Oh non! Prenez le volant. D'accord. Allons-y. Vite! La corde. Voilà. Comment ça, ils ont quitté l'île? Ils sont tous partis, je te dis. Tous les élèves de l'école.
Mon fils également. Bah, peut-être que tu devrais aller voir ton frère, Imone. Cette malade. Vous n'allez pas croire à ces histoires à propos des cafards. Il n'y a aucune raison de ne pas aller jeter un œil. Vous êtes pas nets, les gars. Je peux pas croire que des mecs comme vous avalent ce que l'autre crétin vous a raconté. Je connais bien Madame Bartol. Et si elle a emmené mon fils loin d'ici, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Vous, les mecs, vous faites ce que vous voulez. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la chambre froide. Excusez-moi, docteur Drayton. Ceci vient d'arriver pour vous de l'île d'Ors. De l'île d'Ors? D'un certain docteur Ben Cahill. Merci, Jane. C'est impossible. Jane? Oui? Passez-moi ma cardole, s'il vous plaît, au CDC. Nell! Nell! Mais qu'est-ce qui se passe, Nell? Henry a été mordu. Tu sais où est Vinyl? Mais non! Des tas de gens ont quitté la ville, à cause de la rumeur sur les cafards. La rumeur est fondée. Dès que j'aurai soigné l'enfant, on s'en ira d'ici. Cahill! Je vais lui parler. Pas la peine de fuir, Cahill. J'ai un compte à régler avec toi. Cahill, donne-lui un coup de main. Ce n'est vraiment pas le moment, Imone. Il doit examiner Henry d'urgence. Calme-toi, Imone. Toi aussi, c'est ta faute. C'est crétin d'effrayer la population. Ta mère a carrément semé la panique avec ses histoires à propos des cafards. Si tu étais plus malade, tu en ferais autant. T'es cinglé, qu'est-ce que tu fais, gars? Désolé, Imone, Nell a raison. Tu veux brûler mon frère? J'ai dans le bar. Mettez-vous tous à l'abri. Ne restez pas dans la rue. Fermez les têtes. Qu'est-ce que t'as fait des clés, mon sang? Je les ai oubliées à l'intérieur. Écoutez, Drayton, faites ce que j'ai demandé, d'accord? Appelez le CDC, qu'ils viennent ici les exterminer et nous évacuer de l'île. Docteur Cahill, le CDC est au courant de la situation, je pense qu'ils vont réagir. Ben, son état s'aggrave. Je dois vous laisser. Son larynx s'est enflammé, il a du mal à respirer. Nell, je veux un petit canif. Guy, apportez-moi une sorte de tube, un stylo à billes, il fera l'affaire. J'en vois un. Parfait. Je vais devoir faire une trachéotomie. Merci. Guy, tenez ça, il faut qu'on stérilise le canif. Tu es courageux, mon ange. Ça va bien se passer, Henry. Très bien. Bon, ça y est, on va pouvoir y aller. Positionnez vos mains sous sa tête. Comme ça? Oui, parfait. Allons-y. Bon, passez-moi le canif. Une petite minute, tenez ça. Donnez-moi le canif. Tu vas aller très bien, Trésor. Tiens bon. Parfait. Donnez-moi le tube, s'il vous plaît. Oui. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est? Le café froid du commissariat. Tu n'as rien à craindre, tu es sorti d'affaire, Henry.
Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il n'y a plus d'insectes. Quoi ? Ouais, on dirait qu'ils n'aiment pas la pluie. J'aimerais qu'on le conduise à l'hôpital. Il vaut mieux attendre ici que les secours arrivent. L'attente peut être risquée. Il est en état de choc, il lui faut de l'adrénaline. J'ai un bateau sur le dock. Qu'est-ce qu'on attend ? Il va cesser. Où est votre bateau ? Il est loin, il va falloir ramer. Prenez l'enfant. D'accord, reste avec moi. Deux gilets de sauvetage, un pour vous et l'autre pour toi. Gary, montez à bord et tenez-vous prêt à l'attraper. Allons-y. Essayez de renverser le bateau pour nous protéger. Et lâchez ça. On va tourner de ce côté à trois. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! Je crois que l'eau pénètre dans sa gorge. Bonne idée. Envoyez une fusée de détresse. Votre mère et les autres enfants vont bien, mademoiselle. Merci beaucoup. Le docteur Drayton a prévenu les autorités. Le CDC se prépare à contenir toute la zone. N'importe quoi. Je vous dis que ça n'a rien de commercial. Vinyl ? Nell, dites à ce garçon depuis combien de temps je pêche dans ces eaux. Je l'ai embarqué ce matin pour ramassage de homards sans permis. Aujourd'hui, c'était son jour de pêche ? Bien sûr, on est jeudi. Dieu merci. Thank you.
Attention. Allez, va chercher. Ah!